Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous savez quelle vidéo c'est. C'est le journal créatif et on est arrivé au numéro 8. Voilà, alors je vous rappelle, je fais cette vidéo tous les dimanches pour vous montrer ce que j'ai fait toute la semaine. Voilà, donc du dimanche au samedi, tout ce que j'ai fait, que ce soit en DP, en diamond painting, que ce soit en broderie, que ce soit en tricot, en crochet ou d'autres choses, pourquoi pas. Du coup, on fait le point tous les dimanches. Moi, je vous filme la vidéo le samedi soir, mais vous voyez cette vidéo le dimanche. Alors, hop, je prends mon petit carnet magique. La semaine dernière, je me suis fixé des objectifs. C'est ce que je fais toutes les semaines. Toutes les semaines, je me mets des objectifs. Et justement, ça m'aide à avancer. À avancer plus vite, enfin plus régulièrement, on va dire. Depuis que je fais le journal créatif, c'est vrai que j'ai un rythme beaucoup plus régulier. Alors, je m'étais mis comme objectif de finir le gilet en tricot, de finir les manches du pull gris, de faire 10 cm de mon pull cache-cœur, avancer la couverture météo du mieux que je pouvais, en broderie, avancer le sal de Julia, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Je l'ai marqué. Hein. Le Pumpkin Color Autumn, le Old Forest. Faire ma semaine de la broderie météo de jardin privé, celle avec les fleurs. Pour ma broderie Blackwork, je m'étais mis comme objectif de faire deux alvéoles, enfin de remplir deux alvéoles. Ma broderie de la maison météo 2024, je voulais faire deux fenêtres. Je voulais avancer le calendrier de l'Avent. Et après, en DP, faire trois cases. Et s'il me restait du temps, faire la broderie perle que j'avais eu en cadeau à la maison du Canva. Voilà, donc ça c'était tous les objectifs que je m'étais mise pour cette semaine. Alors comme d'habitude, on va commencer par le DP. Alors vous aviez choisi différentes cases et j'ai bien sûr choisi les cases qui avaient le plus grand nombre de choix, voilà. Et j'ai eu un ex-aequo cette semaine, donc j'ai fait 4 cases, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, le haut est terminé. Le haut est fait, le hibou, il est fait hein, aussi, et on a commencé ici en bas, voilà. Donc, je vous montre. Voyez. Alors, vous aviez choisi les cases, là j'ai fait plutôt les cases 11, 14, 22 et 25. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous le remettre ici ou là, non plutôt ici, j'ai la place en image, pour que vous puissiez choisir encore 3 cases. Que je ferai dans la semaine.
Donc, je vous laisse choisir, vous voyez, je vous laisse un petit moment. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire trois numéros de cases pour que je puisse continuer le DP cette semaine. Là, maintenant, il reste... alors, une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines... Ouais, il reste à peu près 5 semaines, enfin 5 semaines. Donc, si je peux réduire en faisant 4 cases, je le ferai, suivant le temps que j'ai. Mais c'est sûr que je ferai tout au moins 3 cases. Voilà. Donc, pour ce petit hibou, bah, c'est tout pour cette semaine. Je vais le mettre là, de côté. Et j'ai fait également, je suis restée dans les hiboux, voilà, j'ai fait ce petit marque-page, hop là, il perd son pompon. Voilà. Très joli. Alors, par contre, j'ai un petit souci. J'ai verni comme je fais d'habitude. Avec la Cléopâtre, oui, le vernicole Cléopâtre. Sur les perles, ça va, c'est, mais là, ça continue de coller un petit peu. Donc, c'est un peu embêtant pour un marque-page. Alors, je pense que c'est parce que c'est du simili-cuir. Je vais essayer de passer, j'ai de la bombe incolore vernis. Je vais essayer de passer un coup de bombe dessus pour que ça puisse arrêter. C'est pas énorme, hein, ça colle vraiment très très léger. Mais voilà, c'est plutôt embêtant. Mais sinon, il est tout mignon. Voilà. Alors donc, et il a son petit pompon, vous voyez. Hop, attendez. Voilà. Alors, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans un unboxing. J'ai plus en tête le nom de la boutique. Je vais vous le remarquer, mais de toute façon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Et donc, c'est pour Chouchou, parce que lui, moi, je le lis pour ainsi dire pas. Mais lui aime bien me lire le soir. Et donc, ce marque-page va être pour Chouchou. Voilà. Donc, en diamond painting, ben, c'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal. Hein. Ensuite, le tricot. Le tricot. Alors, je disais que je voulais terminer le gilet. Ben, je l'ai terminé, voilà. La dernière fois, je crois que je vous l'ai montré, il n'y avait pas encore les bordures, les bords côtes. Je ne sais plus comment je vous l'ai montré la dernière fois. Mais cette fois, il est terminé. Voilà. Hop. Il est entièrement fini. Alors, j'ai juste eu un petit souci. J'avais cousu les bords côtes et ça s'est décousu. Donc, j'ai carrément piqué à la machine. J'ai dit comme ça, ça bougera plus, je serai tranquille. Ça se voit pas, hein. J'ai fait une piqûre à la machine. Et vous voyez, on voit strictement rien, c'est enfoui dans les mailles de laine. Au moins ça va plus bouger. Donc je l'ai fait des deux côtés, tant qu'à faire. Voilà. Alors, est-ce que je l'essaye? Oui, je vous l'essaye. Alors voilà. Donc,
terminé. Il est super chaud. Il va bien. Il se ferme bien. Il n'y a pas de problème. Les manches sont à la bonne longueur. Ni trop courtes, ni trop longues. Et le dos est pas mal aussi, voilà. Donc voilà, le gilet est terminé. Donc objectif atteint également. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il est super simple. Mais des fois, les choses simples suffisent à elles-mêmes. Et donc, je l'avais fait avec le fil diamant de Fildar. Ça, c'est un modèle Fildar également. C'est le modèle gilet diamant. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais vous voulez refaire ce gilet, il est gratuit sur Fildar. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. J'avais dit que je voulais terminer les manches de mon pull gris. Alors, c'est un fil d'art également. En ce moment, je suis très fil d'art. Il y a des périodes comme ça. Donc, je voulais terminer les manches du pull gris. Eh oui, j'ai carrément fini le pull. Ah, ça, c'est le devant. Pardon, je vous montre le dos. Voilà. Je vais mettre une petite étiquette là pour savoir le dos du devant, malgré que le devant est plus court que le derrière. C'est normal, c'est le modèle comme ça. Et voilà. J'ai terminé de le coudre cet après-midi. Hier soir, je voulais absolument finir l'assemblage, mais à minuit, j'ai capitulé. À minuit, j'ai dit: stop, j'arrête, je peux plus. Donc j'en avais fait la moitié, j'avais assemblé la moitié du pull et donc j'ai terminé cet après-midi. Alors j'ai fait une petite chose en plus qui n'est pas prévue dans le modèle, mais j'ai trouvé que pour une meilleure tenue, fallait que je le fasse. Parce que le col, voilà, ici, vous voyez, c'est un petit peu un col bateau si on veut. Il n'y avait pas de finition. Voilà, il n'y a pas de corps, de côte ni rien. C'était juste la fin des rangs. Voilà. Et du coup, ça faisait un peu comme ça. Vous voyez, ça bourlotait, comme on dit par chez moi. Donc, j'ai pas voulu faire un bord-côte parce que je dis ça va trop resserrer. Ce que j'ai fait. Oui, une seconde. Je finis d'expliquer mon col et après je vous ouvre. Vous devinez ce que c'est, hein? Et du coup, j'ai fait un bord au crochet en maille serrée tout au long. Voilà. Donc, ça reste très simple, mais au moins, ça aura un peu plus de tenue sur le col. Donc ça, c'est pas prévu au modèle, mais j'ai préféré le faire quand même. Voilà. Je vais l'enfiler. On se coupe une seconde le temps que j'enfile le pull. Et comme ça, pendant ce temps-là, il y en a deux qui veulent aller faire pipi. Allez, à tout de suite. Voilà. Il est pas beau. Alors, j'aime bien les manches. Elles sont bien longues. Pas trop, mais elles sont bien. Alors, quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, mais il est large! Mais large! Oui, mais je sais que moi aussi, je suis large. Donc, non, il me va très bien. Voilà. Donc, ici. C'est comme ça, le modèle est fait comme ça. Le dos est un petit peu plus long que le devant. Voilà. C'est la petite fantaisie. Les manches sont très tombantes.
c'est normal également. Et là, vous voyez, c'est pas tellement... ça va. Donc, je l'aime beaucoup. Il est très chaud. Et je suis pas déçue. Je suis pas... J'aime bien... Oui. Non, il est top top. En fin de compte, je trouve top. Je trouve vraiment bien. Bon, faudrait rentrer le bidou, hein. Parce que le bidou... voilà, je rentre le bidou. Non, j'aime bien. Et bon, Chouchou trouve quand même un peu large pour moi. Mais bon, il faut bien que je cache quand même ce qui est à cacher. Donc, voilà. Voilà. Bon, j'ai remis mon vieux gilet. Parce que ça rafraîchit un petit peu. Donc, du coup, je suis super contente parce que en 15 jours, eh bien, j'ai terminé 3 ouvrages au tricot. Donc, je suis super contente. Il y avait le petit pull sans manche coton, hein, que vous aviez vu. Donc, ce pull-là et ce gilet-là. Ça fait du bien de finir des ouvrages. Mais de toute façon, je vous referai un podcast. Donc, vous les reverrez certainement dans le podcast. Je vous ferai le podcast là bientôt, je pense. Pour continuer dans le tricot. Je vais mettre un petit bouchon sur l'aiguille pour pas perdre les mailles. Voilà. Mon pull cache-cœur. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Donc, il avance bien. Là, j'avais dit que je voulais faire 10 cm. Ben, écoutez, les 10 cm sont largement atteints, hein. Voilà, j'ai mis ici mon petit marqueur. Donc, il avance très très bien. J'ai encore 10, 20, 30, 40, 45. 45, 50. J'ai encore 52 diminutions à faire avant d'arriver aux épaules. Hein. Par contre, j'ai pas mesuré. Alors, on va le mesurer en vitesse. Pour savoir les emmanchures, où j'en suis. Alors, on va mesurer comme ça, vu le nez. J'en suis à 26, 27 et pour arriver aux emmanchures, il faut faire les emmanchures commencent à 34 cm. Donc là, je suis à 27, donc j'arrive bientôt aux emmanchures, enfin à l'emmanchure, puisque là, c'est un demi devant. Hein. Hop, attendez. Bon, je suis coincée avec ma laine. Voilà. Donc ça, c'est un demi devant. Il est où? Non, je suis à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est le devant qui va venir. Bon, là, c'est pas, il n'est pas bien. C'est pas sa place, hein, bien sûr. Et voilà. Hop, comme ça. Et l'autre va arriver comme ceci également. Donc, quand je vais faire, je crois que vous l'avez déjà expliqué, quand j'en serai au deuxième devant, il va se commencer en piquant ici, en remontant des mailles ici, au-dessus des côtes. Donc, celui-là va rester
il va rester comme ça si vous voulez. Pendant que je tricote le deuxième devant, il sera attaché à cette partie-là. Mais vous voyez, super léger. Hein. Il est super léger, mais je crois qu'il va être chaud. Voilà. Donc je fais en. Ben, je vous remonte, mais c'est pour celles qui n'auraient pas vu. Avec le fil caresse de chez Fildart. Voilà. C'est la couleur lumière. Alors je regarde en ce moment sur internet. Il faudrait que je regarde chez Sperenza, puisque c'est là que je l'avais eu. J'espère que je vais avoir assez de pelote, mais normalement oui. Mais je vais quand même jeter un œil sur Sperenza, voir s'ils en ont encore, parce que comme ça, si je tombe en panne, je sais que où je pourrais en prendre. Et je vais calculer ce qui me reste, mais normalement, j'avais bien calculé, j'avais pris ce qui était préconisé. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, vous ne verrez pas bien la couleur là, mais vous voyez, j'aime beaucoup cette couleur. Donc, il avance bien. Alors, un tricot, bon, à part celui de pour Chouchou, mais lui, il n'a pas avancé du tout. Là, je n'ai plus de tricot en route, mais il va y en avoir bientôt. Celui de Chouchou, lui, il n'a pas bougé. Il bougera peut-être un peu cette semaine. Hop, vous voyez, ça n'a pas bougé du tout. c'est pour faire... Mais je devrais l'avancer parce que celui-là, normalement, il devrait aller vite. Parce que c'est un pull débardeur, donc il n'y a pas de manche. Un devant, un dos, hop. Je couds les épaules, je couds les côtés. C'est en route... Chercher ma phrase, je sais plus. Voilà, et il sera terminé. À part qu'il y aura un peu les bord-côtes à faire. Mais c'est tout. Donc, il faudrait quand même que je l'avance un peu. Je pense que je vais en faire un peu cette semaine. Donc, je vous montrerai si je l'ai fait. Voilà. Donc, sinon, bah, je n'ai plus de tricot. De commencer, j'en ai des vieux en haut qui sont commencés, mais je vous avais dit, hein, je pense pas les reprendre. Déjà, un, parce que j'ai perdu le modèle, et il y en a un autre. Alors, il y en a un autre que j'avais commencé, mais que j'avais démonté, j'avais pas fait, ouais, j'avais fait ouais, ça à peu près. Et après, je l'ai démonté parce que ça allait être un pull blanc. Et moi, le blanc, c'est pas que j'aime pas. Mais le blanc, je trouve ça, c'est trop salissant. Donc, je sais pas. On verra. On verra si je le fais ou si je fais autre chose avec. On verra bien. Donc, niveau tricot, c'est tout. Niveau couverture, comment dire, la couverture météo, je n'ai fait que, je n'ai fait que 3 jours. Alors la semaine dernière, je vous avais dit, je sais que ça a fait rire certaines, ça avait fait rire certaines. J'avais dit, je vais avancer d'une semaine. Mais en avançant d'une semaine, là, il y a une semaine qui va couler. Donc, je serai toujours en retard du même nombre de jours. Sauf que maintenant, j'ai encore pris plus de retard. Puisque là, on est le 30 septembre. Et je n'ai fait que 3 jours sur mon mois de septembre. Bon, je vous le montre quand même. Quand même vous le montrer. Hein. Mais là, il faudrait quand même que j'accélère.
Mais comme j'ai terminé les tricots, je vais peut-être pouvoir accélérer un peu sur ma couverture. Alors, c'est là. Voilà ce que j'ai fait. Alors, ça, c'était la fin du mois d'août. Hein, ça, vous l'aviez déjà vu. Et donc, j'ai fait 3 jours ici. Comment dire? Donc, voilà. Ça, c'est le mois de juillet et août. Et là, septembre, ben, j'ai fait que 3 jours. Mais je vous dis, comme je n'ai plus de tricot, alors à chaque fois, je dis, je vais m'y mettre le dimanche. Je ne vais faire que ça. Et puis, je trouve toujours un autre truc à faire. Mais là, demain, c'est sûr, je ne ferai que ça. enfin, demain, aujourd'hui, puisqu'on est dimanche, à l'heure où vous regardez la vidéo. Je vais ne faire que ça. Parce que là, il n'y a pas. Là, il faut que j'avance vraiment mon mois de septembre. Parce qu'après, ben, c'est octobre, novembre, décembre. Après, c'est fini. Voilà, la couverture sera terminée. Et je n'ai pas envie de rattraper le retard l'année prochaine. Puisque l'année prochaine, on en commence une autre. Oui, oui, oui. Alors, je ne ferai peut-être pas pareil. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je la ferai toujours au crochet, hein, par contre, ça, le genre de truc comme ça, ce sera au crochet. Mais je vais, moi aussi, peut-être que je la ferai au même point, j'en sais rien. On verra bien. J'ai pas encore réfléchi. Donc, bah, la couverture, voilà. Pas grand chose à dire dessus. Hop. Allez, rentre là, toi. Donc voilà, bah, écoutez, niveau tricot, crochet, d'épée, bah, je vous ai tout montré. Maintenant, je vais vous montrer côté broderie. Alors, d'abord, je vous disais que j'allais essayer de commencer la broderie perlée. Ben, je ne l'ai pas sortie. Je n'ai pas eu le temps. Donc, ben, ça, voilà, c'est reporté. Je n'ai pas eu le temps du tout de la faire. Alors, par contre, vous avez dû voir la vidéo de ma préparation du sale pour comment le sale mystère de Sabine, de la boutique Poussière d'Étoiles. Donc tout est prêt. Voilà, je vous montre. Voilà, tous mes fils sont prêts. J'ai tout bobiné, tout étiqueté. Il n'y a plus qu'à attendre. On démarre le 15 octobre. Donc, hâte de commencer. Ce sera des objectifs de 15 jours. Donc, du coup, ça, je vous le montrerai tous les 15 jours sur la vidéo. Et j'ai bien sûr également. C'est la toile. Alors je crois que ça va être dans ce sens là je sais pas encore. J'ai surjeté toute ma toile. Bon, là ça fait encore un peu des fils, mais ça, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai surjeté, hop, voilà. Donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Alors on ne peut plus s'inscrire, hein, pour ce sale. Maintenant il est trop tard. Voilà. Mais du coup vous pourrez voir le suivi au fur et à mesure que je vais le broder. Donc voilà, ça c'était la petite chose que je voulais vous montrer.
Mais si vous avez vu la précédente vidéo de préparation du sale, vous avez dû le voir. Alors, je vais essayer de prendre en suivant. Mon sac est... Ah oui, celui-là. Mon sac est trop petit maintenant. Alors, je pense que vous vous rappelez de ce sac. Vous voyez ? Il est super grand, hein. Regardez le nombre de broderies que je peux mettre dedans. Et comme ça, je les ai toutes sous la main. Alors. Mon Black Work. Oh, la toile se chiffonne hein, autour. Hop. Voilà, mon Black Work. Alors, j'en étais... J'étais là. La dernière fois, j'étais ici. Je n'avais pas tout à fait terminé. Et donc, j'ai fini celle-là. Et j'ai fait celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Là, j'ai vraiment bien, 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 bien avancé. Je voulais en faire deux. J'en ai fait 4,5. Voilà. Rappelez-vous, la semaine dernière, je n'en avais pas fait. Du coup, j'ai rattrapé la semaine dernière. Que je n'avais pas fait. J'aime bien. C'est joli. Voilà. Donc, là, bien sûr, il n'est pas encore... Vous voyez bien, il n'est pas fini. Hein, il reste quand même encore... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29. Il me reste 29 cases à faire. Voilà. Après, je verrai comment je l'encadrerai. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment je vais le finir. On verra. Donc ça, c'est ce modèle-là, vous voyez. C'est le Steady Tweed. Donc, je l'ai commencé... le 27 février 2023. Bon. Je crois qu'eux, ils avaient commencé en janvier. Le sale. Et je pense qu'ils se terminent là, bientôt. Enfin, bientôt. Je crois qu'il doit se terminer en décembre. Désolée pour la coupure, mais les douleurs sont là. J'étais tranquille 2 jours. Mais bon. Ça s'en va et ça revient. Fait de... Je chantais la chanson de je sais plus qui. Alors. Le sale de Julia de Rose Cocon. Alors, je pense que vous aurez vu que je vous mettais les photos au fur et à mesure.
de ce que j'avais fait la semaine d'avant. Voilà où j'en suis. Doucement mais sûrement. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très, c'est fin, c'est joli. bon, je sais toujours pas combien de points je suis. Parce que j'ai toujours. Je ne sais pas pourquoi cette toile-là, j'arrive pas à la mettre dans le Pattern Keeper. Pourtant, j'ai fait, j'ai une abonnée qui m'a dit comment faire. Mais bon, ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est pas grave. Hein. Donc voilà. Donc c'est une, je le fais sur une toile étamine de 14 fils style lin. Voilà. Ça, vous aurez reconnu, c'est un aimant aiguille de Sabine, hein, de la boutique Poussière d'Étoiles. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça avance toujours petit à petit. Puis il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est ça qui est bien. Donc ça va. Oui, ça. Alors, je n'ai pas avancé beaucoup non plus, mais j'ai avancé. En sachant que normalement, donc celui-là, c'est moi qui l'organise, malgré que Sarah l'organise aussi. Je vous avais expliqué, hein, je ne savais pas qu'elle l'organisait. J'ai perdu mon aiguille. Ah non, elle est là. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Comme elle a dit, ce n'est pas un souci pour elle non plus. On fait donc le sale du calendrier de l'Avent. Voilà, celui-ci. Le Christmas Advent Calendar. Et moi, alors, je suis dans quel sens? Oui, je suis dans ce sens-là. Non. Non, je suis dans ce sens-là. Voilà. Donc là, il y a une partie hein, qui est brodée, mais que vous ne voyez pas, qui est derrière le cuisnap. Alors, j'ai avancé là. Voilà. Mais normalement, on devait terminer la structure. Alors, j'en ai qui l'ont fini hein, sur le groupe. Mais on devait terminer, comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Toute la structure. Voilà. Tout ce qui est. Voilà, ça. Les cases. On devait tout terminer ici pour le 30 septembre. Et à partir d'aujourd'hui, on va broder une case. Voilà. Alors, on va en broder plutôt deux par semaine. On va essayer. Et comme ça, jusqu'au 24 décembre. Voilà. Donc là, il y en a ben, 24, c'est ça? Donc, divisé par 2, ça ferait en 12 semaines. 4 et 4, 8 et 4. Ouais, normalement, ça devrait, on devrait y arriver. Hein. Si on arrive à faire remplir 2 cases par semaine, c'est bon. Donc, voilà, voilà, voilà. Mais bon, je n'ai toujours pas fini les cases. Alors, ce que je vais peut-être faire, il faut que je voie la case numéro 1 où elle est. Ah ben, je ne l'ai pas faite encore. Je suis là. Alors, si je ne me trompe pas,
Ouais, ça, je l'ai fait. Alors, normalement, je suis ici, ici. Et la case numéro 1, elle est là. C'est la petite maison. Donc, je vais peut-être, en faisant les cases, bah, je vais faire les intérieurs de cases en même temps pour me rattraper. Parce que là, j'aurais qu'on fait le 1 et le 2. Et le 2, il est... Ah, ben, le 2 est ici. Voilà. Le 2 est là. Donc, bon, ça devrait pouvoir se faire. On rattrapera. Je m'en fais pas, hein. De toute façon, s'il n'est pas accroché cette année, il sera accroché l'année prochaine, hein. C'est pas très grave. Donc, voilà pour le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que j'ai avancé d'autre? Oui. Alors, hop. Ma maison météo. Alors, elle avance aussi. Voilà. Oui, pour l'instant, il n'y a que des fenêtres. donc, j'ai fait celle-ci. Donc, deux fenêtres entières et ici, une moitié. Donc, j'en ai fait deux et demi. Je voulais en faire deux. Mais j'en ai fait deux et demi. Donc, ça avance. Là, ça va. Hein. On a jusqu'au 31 décembre pour terminer là, toute la structure. Donc c'est bon, et après l'année prochaine on va remplir donc toutes les fenêtres avec les couleurs de température qu'il y aura chaque jour. Donc ça c'est bien, ça avance petit à petit, fenêtre par fenêtre. Il y en a 52 à faire, hein. Et là j'en ai fait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai fait 14 et demi. Il y en a encore quelques-unes à faire. Mais ça. Donc ça, je vous rappelle que c'est une broderie que j'ai dessinée moi-même, qui est donnée gratuitement donc, sur le groupe. Ou alors, vous pouvez me le demander, hein, en m'envoyant un message par email. Et il est encore temps de vous inscrire si vous le souhaitez. Voilà. Je vais ranger tout ça après. Oui. Oui, j'ai quand même bien bossé, hein, malgré que j'ai eu des périodes dans la semaine où je pouvais rien faire. Alors ici, et eh ben ça y est, j'ai attaqué la partie 4. J'ai attaqué la dernière partie. Voilà. Donc j'ai brodé ça. Tout va bien. Le point d'exclamation. Et le petit cœur rouge ici. Voilà. Donc la partie 4 est entamée. Voilà. Donc j'aime toujours autant le faire. Donc ça, je vous rappelle que c'est un modèle d'Isabelle Vautier et que vous ne pouvez l'avoir que dans son livre que je vous remets. Je vous remets également en barre d'infos hein, pour trouver le livre. Il n'est pas en gris. Peut-être qu'après, elle le mettra en gris, mais pour l'instant, il n'y est pas. Donc voilà, donc je suis contente d'attaquer la partie 4, la dernière partie. Youpi! Youpi, youpi! Bon, on devait le finir pour le 31 août. On était à 4 à le faire. Donc Laurence et Jennifer et moi, on n'a pas réussi. Et du coup, j'avais dit, ben, on finira pour le 30 septembre. Et ben, on n'a pas réussi.
Mais c'est pas grave. Comme je dis à chaque fois, c'est pas des cours, on fait pas la course. Hein. On avance, c'est bien, on n'avance pas, ben, c'est pas grave. Voilà. Mais de toute façon, je suis quand même arrivée à la dernière partie, donc c'est top. Ensuite, est-ce que j'ai encore fait quelque chose? Ça, non. Oui, celle-ci. Alors, je suis presque à jour. C'est ma broderie météo de jardin privé. Voilà. Il me manque juste deux pétales. Voilà. Celui de vendredi et de samedi. Voilà, il me manque que deux pétales ici. Et après, je dois mettre mes perles au milieu de mes fleurs. Mais ça, bon, c'est... Moi, ça, c'est ce que je le fais en plus. C'est rien, les perles, je peux les mettre après. Hein. C'est pas urgent. Donc, on va dire que je suis à jour quand même. Voilà, j'ai que deux pétales à faire. Je les ferai peut-être demain. Comme ça, ce sera terminé pour la semaine. Mais voilà, j'aime toujours autant le faire. Mais bon, là, les couleurs pour l'instant. Vous voyez, on n'a pas eu de grosse chaleur hein, dans le nord. On n'a pas eu de très très grosse chaleur. Mais bon. C'est pas grave. De toute façon, j'aime pas les grosses chaleurs. Donc voilà, je suis à jour, on va dire, sur ma broderie météo. Hop. Alors on m'a demandé les pochettes ici, voilà, ce que c'est des tailles A3. Moi je les achète sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, voilà, si ça vous intéresse. Elles sont bien parce que ça rentre bien les grands tambours et les cuisnaps. Voilà, les 11 pouces. Les cuisnaps 11 pouces rentrent très bien dedans. J'utilise, pour ainsi dire, plus les pochettes Action. Du coup, j'en ai pas mal là et je ne les utilise plus. Alors, je pense que là, je n'ai rien fait d'autre. Non. Non. C'est tout. Alors, ça, j'ai toujours pas fait le montage. Mais bon, je le ferai. C'était là, une broderie d'une revue anglaise, les revues que je reçois. Donc, c'était la petite broderie gratuite qui était dedans. Bon, je vais faire le montage cette semaine. Ça va me prendre un quart d'heure. Ça va aller vite. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, mes objectifs de la semaine, je pense qu'ils ont été atteints. Hein. Voilà, il n'y a pas eu de souci. Cette semaine, alors, je ne sais plus si j'ai des rendez-vous. J'ai un rendez-vous dentiste, mais ça va toujours assez vite. J'ai peut-être un rendez-vous là, le truc de Pôle emploi. J'ai peut-être un rendez-vous, je sais plus. Ouais, normalement, ça devrait être une semaine calme. Normalement, donc on va se donner des objectifs pour la semaine qui arrive. Tricot. Alors, bah, du coup, tricot, pour l'instant, j'ai plus que deux pulls en route. Malgré que je vous dis que j'ai des pulls en haut. Alors, il y en a un que je voudrais terminer. Il faut que je regarde où j'en suis. Alors, j'en suis à la partie la plus difficile, en plus. Toutes les parties faciles sont faites. J'en suis à la partie la plus difficile. Entre guillemets.
Parce que c'est une veste que j'avais commencé pour Chouchou en tricot, en Bergère de France. C'est un modèle Bergère de France. Mais je l'ai commencé il y a 5 ans, je crois. Je me cache, j'ai honte. Ouais, je crois que j'ai commencé ça il y a 5 ans. J'en suis arrivée au col châle. Ça fait un petit col châle. C'est là que j'ai coincé et que j'ai laissé tomber. Enfin, laissé tomber. Je l'ai mis de côté. Donc, j'aimerais bien peut-être le ressortir et terminer ce fameux col. Et après, ben, j'ai plus que l'assemblage à faire. En espérant que la taille est toujours bonne pour Chouchou. Voilà. En espérant que la taille est toujours bonne, mais je mets entre guillemets, je verrai si je le ressors ou pas. Et donc j'avais deux autres pulls, là je vais essayer de le démonter complètement, enfin complètement, il n'y avait que le dos qui était commencé. Je vais essayer de le démonter pour récupérer la laine, pour faire autre chose, pour faire des carrés de couverture, des choses comme ça. Parce que celui-là, ben, c'était un point spécial, mais je sais que j'ai fait plein d'erreurs, donc je ne vais pas le continuer. Et je ne sais plus où j'ai mis le modèle, de toute façon, en plus. Je l'ai peut-être dans mes PDF sur l'ordinateur. C'était un modèle Bergère de France aussi, je crois. J'ai un autre pull que j'ai commencé, mais c'est pareil, c'est un pull assez un peu dans le genre du gris, vous savez. Il faut que je regarde si je le continue ou si je le continue pas. Parce que ça a été comme le gris. Quand j'ai commencé à le tricoter, il me paraît large. Voilà. Mais j'arrive pas à me rendre compte que je tricote un pull large, donc à ma taille, et que moi je suis large. Donc je vais voir si celui-là je le reprends ou pas, ou si je l'abandonne. Et j'avais un autre tricot de commencer. Et là, c'était un gilet pour une de mes petites filles. Alors, le dos est nickel. Le dos est nickel. Bon, par contre, je ne sais plus si la taille irait maintenant pour elle. Le dos est nickel, mais les devants, je me suis trompée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis trompée de taille ou de. J'ai pas mis assez de mailles, j'en sais rien. Il y a un problème. Les devants sont plus petits que pour le dos. Donc voilà. Donc celui-là, bah, je verrai ce que je vais faire. C'était la laine Bergère de France. C'était de la Barisienne. Voilà, donc c'est pas très, enfin c'est pas grave, façon de parler, mais c'est pareil, je peux le détricoter, récupérer la laine pour faire des carrés de couverture, ou voilà, parce qu'une fois qu'on détricote, après ça se frise, il faudrait laver la laine pour qu'elle se défrise, etc. Mais bon. Voilà, bon, on verra pour ce qu'il y a en haut, si je les ressors ou pas. Sinon, pour l'instant, donc je voudrais refaire 10 cm du pull cache-cœur, voilà, et peut-être faire 10 cm également du pull débardeur de Chouchou, celui que je vous ai montré, le bleu. Sachant que je vous ai fait voter cette semaine pour savoir quel pull vous vouliez que je commence. Donc vous avez voté sur YouTube et vous avez voté sur mon groupe de Facebook.
Vous avez été très, très, très nombreux et nombreuses à voter. Et le pull qui en est sorti, c'est encore un fil d'art. J'y peux rien. C'est le pull avec l'empiècement ajouré. Voilà. Donc, j'aimerais bien le commencer également. On verra si je le commence cette semaine ou pas. Alors, en tricot, c'est tout. C'est déjà pas mal. Crochet, ben, alors, crochet, c'est la couverture météo. Et je voudrais bien essayer de faire 15 jours, me rattraper, faire une quinzaine de jours. On verra. Mais on verra si j'y arrive. En broderie, faire ma semaine de broderie météo de jardin privé, la broderie avec les fleurs. Donc faire ma semaine, normal. Donc ça, ben, je devrais le faire normalement le vendredi ou le samedi, je pense. Sinon, ma broderie maison météo, faire deux fenêtres, au moins deux. Ma broderie blackwork, refaire deux alvéoles, si je peux plus. Mais voilà, les objectifs que je vous donne là, c'est un minimum. Si j'arrive à faire plus, je fais plus, bien sûr. Mais là, c'est toujours un minimum. Le calendrier de l'Avent, bah, faire les deux cases, comme je vous parlais tout à l'heure. Avancer mon mandala. Donc là, je ne mets pas de réel objectif parce que je ne l'ai pas en tête. Là, je n'ai pas regardé. Mais tout au moins, finir peut-être les phrases. Voilà, faire quelque chose comme ça. Et voir peut-être pour avancer une de mes broderies commencées que je ne fais pas beaucoup en ce moment. Alors, ce serait soit la grenouille de Sabine, de Poussière d'étoile, soit reprendre ma carotte, voilà, ou alors faire mon toast grillé avec l'œuf, voilà, de Magic Needle. Voilà, peut-être faire une petite avancée sur une de ces trois broderies, mais ça, je le mets vraiment en dernier, on verra. Et le DP, ben faire les trois cases que vous allez choisir, comme je vous avais dit, de mettre dans le commentaire trois numéros de cases qui restent. Et je n'ai pas sorti mon coloriage cette semaine, j'ai pas eu le temps du coup. Donc si j'ai 5 minutes, peut-être prendre 5 minutes pour faire un peu de coloriage. Bon, bah écoutez, je crois que c'est déjà un bon programme pour cette semaine. Si j'arrive à tout faire, ce sera bien. Mais je vous dis, ce sont juste des objectifs. J'y arrive, c'est bien, tant mieux pour moi. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai pas montré, mais je vais pas vous les montrer en détail aujourd'hui. C'est deux achats que j'ai fait, deux livres. Alors, c'est fil d'art. Je les ai trouvés sur Amazon. Voilà, mais je vous les montrerai. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer en détail. Donc là, ce ne sont que des modèles pour femmes. Alors, des modèles à rayures et des modèles avec des structures, un point structuré, voilà. Donc ça, je vous le montrerai en détail en vidéo. Voilà. Bon, il y a des pulls que je ne ferai jamais là-dedans, donc, parce que je ne m'en sens pas capable. Mais il y en a que j'aime beaucoup et que... j'aimerais bien. Voilà. Donc, celui-là, c'est Rayures et Compagnie.
Donc, tricoter les textures et les rayures. Et il y a 26 modèles. Donc, tous des modèles fil d'art. Donc, avec des fils fil d'art. Et j'ai... Alors, j'ai pris celui-là parce qu'il y avait des modèles que moi, j'aimais bien. C'est que des modèles masculins. Donc, c'est du fil d'art également. Et je pensais que Chouchou allait aimer ce qu'il y avait dedans. Mais il n'y a qu'un seul modèle qui trouve à peu près bien pour lui. Alors, il est très difficile et il n'est pas du tout... Il va être, il cherche pas à s'habiller, voilà. Il est toujours en pantalon de jogging, avec t-shirt. Là, maintenant qu'il commence à faire un petit peu plus frais, bah, il commence à mettre un petit peu ses pulls fins. Alors que moi, j'en ai déjà tricoté plusieurs, mais il met toujours ceux du magasin. Mais bon, ça, c'est rien, c'est pas grave. J'avais acheté ce livre. Voilà. 32 modèles de tricot masculin. Voilà, donc fil d'art. Donc, c'est de la taille 38 à la 5, au 56. Et pourtant, il y a des jolis modèles hein, que moi, j'aime bien. Mais, je ne sais pas, Chouchou flash pas dessus. Donc, bah, si c'est pour moi faire un pull, un gilet que moi, j'aime bien et puis que lui, il ne mettra pas, c'est pas la peine. Je ne vais pas être motivée à le faire. Donc, je ne sais pas. Déjà, il y a des pulls col roulé. Ben, lui, col roulé, il n'aime pas. Là par exemple, ça c'est un pull tout simple, mais comme il l'a vu en image avec une bordure rouge, vous voyez, ben, mais je suis pas obligée de le faire dans les couleurs qui sont marquées là hein. Moi je peux le faire tout uni ou alors juste avec une seule couleur pour le col, mais plus comment, moins visible, voilà. Mais ça, c'est un pull super simple. En plus, il n'y a pas de raglan, il n'y a rien, donc c'est un truc qui va aller tout seul à faire. Mais bon, je vous les remontrerai. Mais bon, je pense qu'en changeant quelques petites choses, regardez celui-là. Alors celui-là, je pense qu'il n'aime pas parce que le col descend trop. Celui-là aussi il est joli, il est simple, mais je suis pas obligée de le faire en rayure, je peux le faire tout uni, voilà. Mais lui il voit le modèle, il voit la couleur que le mannequin a sur lui et du coup ça le bloque. Si là, le rayé comme ça, il va pas aimer. Alors, il va dire, non, ça, j'aime pas. Faut pas le faire. Mais si je le fais tout en uni, voilà. Donc, je pense que je vais choisir quelques modèles. Enfin, quelques modèles. Un modèle ou deux, déjà, pour commencer. Je vais déjà finir sur les bardeurs. Et après, ben, je ferai... au goût que je sais qu'il aime bien, voilà. Regardez, il y a celui-là. Pareil, c'est un modèle super simple, mais je suis pas obligée de le faire en rayure. Je peux le faire également uni. Et il veut pas de dessin dans ses pulls, donc je le fais uni, puis c'est tout. Là, voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est super beau. Et donc celui-là, je peux peut-être le faire tel quel, mais bon, on verra.
Mais il y a des raglans. J'aime pas les raglans. Là, il y a celui-là aussi. Il est pas mal. Mais je suis pareil. Je peux transformer ici, enlever la pâte bouton. Voilà, et faire un petit col V ou le finir en col rond. Voilà, et enlever la pâte bouton. Pourquoi pas? Voilà. Mais bon, je vous montrerai tout ça en détail. Voilà, parce que moi j'aime bien ces 7 vestes là, vous voyez. Du coup, je vous montre un peu tout. Lui avait vu celle-ci. Alors, voilà. Mais là, par contre, il faut que je regarde parce que il y a des épaulettes et j'ai pas très bien compris comment. Parce que les épaulettes se tricotent à part et elles se cousent après, mais bon, là, j'ai pas tout compris. Donc, faut bien que je relise les explications. Mais à choisir, celui-là est beaucoup plus simple. Voilà. Il est super beau, il est plus simple. Et il se fait en... Par contre, il y a beaucoup d'explications. En fil sport. Donc, et ça se fait en aiguille 3,5. Donc, voilà. Ouais, ça se fait en 3,5. Donc, c'est bien, hein, ça va. Parce qu'il n'aime pas les gros pulls non plus. Il y a un pull que je vais fixer, c'est un gros pull. Il ne l'a jamais mis. Il est dans l'armoire. Donc, c'est pareil, je vais voir avec lui. Si c'est des trucs que je lui ai tricotés, il n'aimait pas. Je vais détricoter, je vais relaver la laine pour la défriser. Et je ferai d'autres choses avec, ou de coussins, ou voilà, faire un mini plaid, faire, voilà, je verrai bien. Donc voilà, les deux livres que j'ai achetés sur Amazon, avec des jolis modèles, comme d'habitude. Je vous mettrai peut-être les liens je vais vous mettre les liens en barre d'infos, mais je vais vous refaire une vidéo consacrée à ces deux livres là et je vous montrerai en détail les modèles. Voilà, je dois encore vous faire la vidéo du livre de la revue du cahier créatif, je vais y arriver, Bergère de France, que j'ai reçu la semaine dernière. Voilà, je crois que cette fois j'ai vraiment fait le tour. Je crois que la vidéo est largement plus longue que celle de la semaine dernière. Là, je crois qu'on doit pas être loin des 1h30. ben écoutez, de toute façon, je sais que vous aimez les vidéos longues. Je profite aussi pour vous dire que pas cette semaine, mais je le ferai la semaine prochaine, je pense, répondre à vos questions sur la vidéo FAQ. Je vous avais demandé de poser toutes les questions que vous vouliez. Je vais faire le point sur vos questions et je ferai une vidéo réponse. Voilà. Et j'ai vu que dans certaines des questions, les réponses, va falloir que je vous les donne en vidéo. Donc, je vais essayer de m'arranger pour tout ça et de faire au mieux. Donc, si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas, je vous remettrai sûrement dans l'œil la vidéo. N'hésitez pas à aller poser vos questions donc, sous cette vidéo-là. Et je vous dis pas cette semaine, mais j'espère la semaine prochaine répondre à toutes vos questions. Voilà. Bon, maintenant j'ai bien parlé, j'ai bien soif, j'ai bien sommeil aussi parce qu'il est 11h du soir. Je ferai le montage de la vidéo demain matin.
En préparant mon repas, ce sera carbonade flamande et tarte aux pommes. Miam miam, la bonne boubouffe. Bon allez, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre des questions aussi si vous voulez. Si vous avez des questions, à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, ce que vous avez pensé de mes ouvrages. Donc, n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Je vous répondrai. Bon, je suis en train de rattraper mon petit retard là, mais donc vous inquiétez pas. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.